On va continuer longtemps à faire ça. Mais mon petit gars, on est en patrouille. Hop, hey! On va patrouiller jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Un crime, une panne de courant. Et hop, hey! Alors, ça fait plusieurs heures qu'on fait ça. Il se passe jamais rien. Oh, mais je suis un super-héros. Il se passera forcément quelque chose. Hmm? Ah, ah, hey! Ah, cette cloche me donne une de ces migraines. Oh, je préfère encore filer d'ici. Hein? Une petite seconde, mon grand. Je suis là pour mettre fin à ta vilenie. Tu as devant toi le pou. Le grand bleu va encore tout gâcher. Écoute, tu peux t'amuser à jouer les redresseurs tant que tu voudras, mais c'est nous qui régnons sur cette ville, Super Zéro. Je ne supporte pas qu'on ne reconnaisse pas mes mérites. Bon, d'accord, d'accord, c'est toi qui l'auras voulu. Trop tard pour avoir des regrets. Oh, ben tiens, ça c'est curieux, là. Au grand mot, les grands rebelles. Attention, hein. Allez, allez, il va falloir y aller. Bon, eh ben oui, quand faut y aller, faut y aller. Je pique. Ah, eh ben, voilà, c'est moi. Qui êtes-vous? Eh bien, je suis le compagnon des mauvais jours. Très bien, c'est parti pour un très mauvais jour. Regardez ce que vous m'avez fait faire. Je parie que vous vous croyez malin. Tu vas voir. Tu vas voir. Oh, ok. J'ai l'impression que ça se gâte, là. Je me demande si on ne peut pas régler tout ça à l'amiable. C'est pas vrai, je rêve. Ça fait très mal, ça. Super-héros, je rigole. Super-héros, oui. Hé, le front. Quoi, tu devais te pointer au commissariat. Oh, la petite patriote. J'y cours, j'allais oublier. Un, nous deux. Ça va comme vous voulez? Oh oui, enfin, faut le dire vite. La petite patriote, c'est sympa de joindre vos petits muscles à nos forces pour combattre les représentants du mal. Je te signale, grand dadé bleu, que tu as gâché une nuit de travail. Non, mais attention, parce que ça fait très mal quand on tire sur ces petites choses. Je m'occupais de ces malades. Ils allaient me conduire au cerveau qui dirige toute cette bande de criminels. Mais il a fallu que vous fassiez tout rater, comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un joyeux anniversaire à moi-même. Vous êtes cordialement invité à la fête pour l'anniversaire du plus grand cerveau criminel de l'histoire, cadeau exigé. Venez donc me voir commettre le délit le plus spectaculaire, le plus sidérant de ce siècle et ceux d'avant. Bravo, le délit du siècle, quelle chance! Ça, j'aurais dû m'en douter. Face de chaise, Chippendale. Face de chaise? Il est beaucoup trop fort pour que je l'affronte toute seule. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Ah,
Il a des beaux muscles. Bon, d'accord. De toute façon, bon, j'en suis. Ah, tchoriki, tchoriki. Bien. Eh bien, il ne reste plus qu'à suivre mon plan. Désolé, mais moi, je trouve toujours ça trop vert. Tu n'as jamais eu aucun sens des couleurs. Ah, le front. Et où sont donc tes complices pour les pires crimes de l'année? Ah bah, ils se sont fait arrêter, mais j'ai ce que je voulais. Mais non, attention! Il ne faut pas secouer ça, mon petit bonhomme. Mais comment on peut avoir un grand front et un si petit cerveau? Et face de chaise, on a les objectifs. C'est parfait. Voyons cela de plus près. Oh, dis donc, face de chaise, ils sont absolument superbes. Non, attention, je tiens ma tête, moi. Oui, voilà quelque chose qui va vous être très utile. Je sens même que ça va chauffer. Ils peuvent transformer la lueur de la flamme d'une bougie en un rayon dont la puissance et la portée n'ont encore jamais été égalées. Ah oui, ce rayon peut découper un gratte-ciel en deux. Il ne manquait plus que cela pour terminer mon arme suprême, alors je vous le demande. Ça n'est pas beau comme cadeau d'anniversaire, ça? J'en ai les pas au petit chapitre. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, la petite patriote? On avait rendez-vous à 5 heures. Ah, le roi des égouts. Oui. Oh là là, comment vas-tu aujourd'hui? Je ne me sens pas très bien. Eh ben, t'es bien le seul. Oui, bon, dites les copains, il n'y a pas un travail pour un super-héros de mon acabit dans le secteur? Des super-méchants qui ont besoin d'un super-héros? Quelque chose qui nous aide à passer le temps? Ah oui, on va arrêter l'auteur du délit du... Oui, on va arrêter l'odeur d'un délit minable. Non, je veux dire, l'auteur d'un délit minable. On va changer d'atmosphère. J'ai une tête d'atmosphère. Grimpez, les enfants. Oh, aïe! Ah oui! Aïe, oh, ça fait mal! Tenez, mettez ça. On va se faire passer pour des employés du traiteur à la petite fête. Le fou n'est l'employé de personne. C'est un super oulafraï. Je t'ai toujours dit qu'il fallait que tu travailles avec moi. Associé, alors. Ces petites choses sont adorablement délicieuses. Ça te plaît? C'est une de mes recettes. Bon, alors écoutez. On va se retrouver au milieu des plus grands malfaiteurs de la Terre. Ils vont tous être là. Harriet la maudite. Anderson sans tête. Le type qui a des oreilles de la taille d'un raisin. L'anguille. Tubor, l'homme aux mille visages. Mulligan, les sourcils. Oui, il y aura toute une ménagerie. Et à la tête de ce défilé des horreurs, le plus monstrueux de tous. Face de chaise, Chipandel. Oh, des diamants. Ce que c'est original. D'autres cadeaux, vite! Joyeux anniversaire, face de chaise. J'espère que ça te plaira. C'est Dean, mon homme à tout faire. Dit main d'acier. Oh là là, très impressionnant. Lui, il va me plaire. Bon, allez vous mêler à la foule. Je vais m'approcher de face de chaise et essayer de découvrir ce qu'il mijote. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que quelqu'un aimerait un petit... Non, mais dites donc, on peut savoir où vous avez été élevé? Ça y est, l'arme suprême est prête, face de chaise. Joyeux anniversaire! Un petit encas, face de chaise. Cette tête me dit quelque chose. Essayez une de ces petites choses au crabe, c'est géant. Vous êtes payé pour servir par pour donner votre avis. Oh, je sens que vous allez adorer. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Quelqu'un est tenté par un cocktail de fruits. Hey! Mais c'est la petite patriote.
Elle est étonnante, cette petite... Oh, des canapés et un spectacle de rêve. Mais que peut-on demander de plus? Attendez, j'ai une grande idée. Détendez-vous, mettez-vous à l'aise. Pas de panique. Avec moi, ce petit câble d'acier n'est pas plus solide qu'un spaghetti. Mais si ça continue, on va pas faire de bons vieux. Je suis désolé, vraiment. Un autre petit cadeau, peut-être, pour nos super je-ne-sais-quoi. C'est le moment de vous révéler mon sinistre projet. Permettez-moi de vous dévoiler mon deuxième petit jouet. Le rayon à chaleur avec arbre à cam en queue. Grâce à cette nouvelle arme, moi, face de chaise Chippendale, je vais commettre le plus grand acte de vandalisme. Je vais écrire mon nom sur la surface de la Lune. Tu n'apporteras pas au paradis. Vous ne serez pas là pour admirer ma signature. Parce que je vais vous jeter au fond du puits des féroces crocodiles mangeurs d'hommes. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est la procédure normale chez les méchants. Ah, c'est... Oh! Vous êtes entré avec les hors-d'œuvre et vous allez en repartir en plat principal. Qui sont laids! Je veux pas être mangé! Je veux pas! Sincèrement, j'ai pas du tout envie d'être mangé, moi. Oh, alors, balance-toi. Que je me balance. Balance-toi, mon petit corps. Oh, merde. C'est ça, bravo. Tout le monde se balance. Et maintenant, je ne serai pas contre un petit coup de barre, hein. Tu crois que c'est vraiment ce qu'il nous faudrait, un petit coup de main? Ma liberté pour un cheval! Joyeux anniversaire, face de chaise! Je n'ai pas toujours eu des amis comme vous. Parce que je suis né différent des autres. Mais comme j'étais différent, j'ai été rejeté. Toute ma vie, les autres ont essayé d'oublier mon visage. Mais ce soir, ils n'oublieront jamais mon nom. Professeur, prêt à passer à l'action? Je suis à tes ordres, mon cher face de chaise. Et comme tu vois, on a de nouvelles batteries. Voilà. On a quelques secondes pour déjouer le plan diabolique de face de chaise et de présenter ces ignobles sbires à la justice. Et assez! Assez! Et un H! Formidable! Formidable! Ah oui! Ton plan n'a pas été très efficace, alors utilisons le mien. La force brutale! Pas question! Ils sont trop nombreux, il faut créer une diversion. Désolé, on n'a pas le temps. Il faut qu'on sauve la Lune. Et un... Oh! Oh! Où est le reste de mon A? Je suis désolé, j'ai l'impression que le courant ne passe plus. C'est ce que je disais, il ne passe plus. Au secours.
c'est Arthur. Tiens, tiens, tiens. Je suppose que tes amis ont calmé l'appétit de mes féroces crocodiles. Pas tout à fait. Quoi? Et tu peux remercier mon hygiène dentaire qui m'a permis d'éviter une belle catastrophe. Surtout pour ma chère maman. En garde! Je ne supporte pas qu'on me souffle au visage. Et il s'étonne qu'on les ait dans le nez. Vous avez tout gâché, vous avez tout fait rater, misérable larve. Mes yeux, oh, je suis momentanément aveuglé. Oh, c'est vicieux, ça. Non, pas les trous. Pardon. Arthur, j'ai encore une idée. Je crois que la fête est terminée, face de chaise. Est-ce que vous allez arrêter de me répéter ça? D'autant plus qu'on allait enfin commencer à s'amuser. Ah oui! La fête est finie, face de chaise. Ou je te rends, ou je te raye de la surface de la Terre une bonne fois pour toutes. Ah bon, d'accord. Ils vont me le payer cher, et très cher. Aucune prison ne peut en tenir face de chaise, Chip and Dale. Il faut bien admettre que j'étais inquiète. Mais vous vous êtes montrée à la hauteur. Oui, ça a été très agréable de sauver la lune avec toi, ma petite patriote. Ne roule pas trop vite. Il y a un cœur d'or qui frémit sous ce croissant de fibre glace. Et d'ailleurs, c'est un coup de chance. Ce sont de petits êtres de cette trempe-là qui nous ont permis de faire échouer ce plan diabolique. Et on peut être fiers de nous. Bah oui, si tu le dis. Dis donc, mon petit gars. Une fois de plus, je crois que tu as eu la chance de m'avoir à tes côtés.